De la visite historique de feu Sa Majesté Mohamed V à Mohamed Rizdan en 1958 à la Marche Verte et jusqu'aux agissements de la pseudo-raste pour porter atteinte à l'intégrité territoriale du royaume, ce documentaire projeté devant un parterre de députés britanniques dévoile les circonstances de la création de la fantomatique raste et met à nu l'implication flagrante de l'Algérie dans le conflit artificiel autour du Sahara Maroc. Je pense que le royaume a tout mis en œuvre pour faire avancer ce dossier. Le plan d'autonomie proposé par le Maroc bénéficie d'un grand soutien au Royaume-Uni. La solution proposée par le Maroc est crédible. C'est sur la base du plan d'autonomie que la situation pourra progresser. Le documentaire met également l'accent sur l'importance du chantier de la régionalisation avancée lancé par le Maroc et le développement qu'ont connu les provinces du Sud sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Les réformes engagées par le royaume ainsi que la mise en place de la régionalisation avancée constituent un pas important et une initiative encourageante dans ce processus. Le Maroc se dirige dans la bonne direction. La séance de projection a été suivie d'un débat ouvert. Les députés britanniques ont relevé l'importance de ce documentaire dont le premier objectif est d'informer les hommes politiques britanniques, toutes tendances confondues, des événements clés de l'histoire contemporaine du Maroc.